Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quatre salles pour séminaires et réunions. La dernière fois, je vous avais montré la salle Mirabel. Elle est à part. Alors là, il n'y a pas de nom. Hein. On va aller de l'arrière vers l'avant. Ça, c'est Salon Charlemagne. Salon Vauban et le salon Foch. Alors nous on va le faire dans le sens Foch, Vauban, Charlemagne. Alors là on n'a pas besoin de rentrer et sortir des salles. Ça c'est pas la peine. Voilà. Puisqu'on peut aller d'une salle à l'autre. Alors ici, il y a des séminaires et des réunions. Hein. Là, on en a un. Là, on est dans le deuxième. Alors, nous avons un vidéoprojecteur, apparemment. Je peux allumer. Voilà, ce sera beaucoup mieux. On est dans le deuxième. Là, je laisse tout comme c'est, hein, parce que on m'a ouvert, puisque ces salles sont vides. Ah oui, et ça c'est une grande salle, alors on va allumer aussi. Hein. Voilà. En fait, c'est ça qui fait les deux. La porte, elle est fermée derrière. Enfin, il n'y a pas d'inscription sur la porte parce que c'est un grand. C'est pas mal, hein. Alors là, ils peuvent tranquillement faire des séminaires, réunions. Et au centre, vous voyez le support pour vidéoprojecteur. Ça, c'est vraiment grande. Hein. Les deux premiers sont plus petits. Mais la dernière est très grande. Ça, c'est le plus petit. Hein. Ça, c'est juste pour quelques personnes, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, 3. Peut-être 6, 8. Et là, on a la vue. C'est pas mal, hein. C'est accueillant le sol, c'est une bonne moquette, hein. Mais celle-là, elle est impressionnante. Hein. Le salon Charlemagne est énorme. Ah ben voilà. Ben voilà les amis, sur ce, cette vidéo se termine et je vous dis à une prochaine. Au revoir.